2, 3, 4, 5. Voilà. Voici 5 paris que j'ai validés en une seule journée. Voici 5 paris que j'ai validés en une seule journée. Tout ça sur la nouvelle astuce sur le basketball. Ok, je vous montre cela. Voilà, j'ai pris ici Timberwolves, premier obtenu 75 points. J'ai pris ici Raptor, premier obtenu 75 points. Ça m'a fait un code 1,36. Ok, je suis venu 1,5. J'ai fait pareil avec Charlotte et Atlanta. Voilà, et avec Portland, voilà. J'ai fait un code de 1,5. Ça m'a donné 20 000. Il a gagné 31 000 francs. Ok, on va venir ici sur. Sur ce combiné là, ici là, il a combiné tous les matchs que je viens de vous montrer, il a combiné tout. Ça m'a donné un code de 2. J'ai mis 20 000 francs, j'ai gagné 42 000 francs. Comme vous-même, vous pouvez le constater. Voilà, j'ai gagné 42 000 francs et j'ai validé facilement, les amis. Je vous dis, c'est facilement sans même transpirer. Ok, voilà. Donc, si à ton tour, tu veux gagner comme moi, c'est simple, les amis. Rejoins la communauté Bet Pro et Royal. Abonne-toi à les deux chaînes. Like, commente et partage à tes proches. Ok, voilà. Tout ça vraiment booste la chaîne et ça aide vraiment d'autres personnes à gagner facilement comme nous. Donc n'oubliez surtout pas aussi de rejoindre le canal Telegram. Ok, c'est juste en description de la vidéo. Donc n'oublie surtout pas de rejoindre le canal Telegram. Voilà. Donc bon, bref, nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Voilà, les amis, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour prendre cette option et gagner facilement avec ces différents matchs de basketball qui s'est joué hier à 23h30, voilà, c'est très simple. Il faut tout d'abord télécharger l'application SofaScore. Ok, SofaScore. Voilà, SofaScore. Vous allez devoir télécharger l'application SofaScore. Voilà, donc je vais sortir. Voilà, comme vous-même, vous pouvez le constater, j'étais à 406 000. Je suis maintenant à 465 000 francs. Tout ça grâce à basketball, au jeu basketball. Donc, passons maintenant dans le vif du sujet. Voilà, je vais sortir. Je vais venir sur accueil. Une fois que nous sommes sur accueil, je vais venir ici sur SofaScore. Ok, voici sur SofaScore. Une fois que nous sommes sur SofaScore, voilà, nous allons chercher les matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Et demain, s'il n'y a pas de match qui se joue aujourd'hui, vous allez patienter demain. Ok, je vais voir sur le 29, il y a des matchs qui vont se jouer. Ok, ok, demain il y aura des matchs. Donc c'est déjà bon. Voilà, donc voici ça. Ok, voici ça. Voilà, donc ici les amis, il y a un critère à respecter. Ok, ici nous allons cibler les matchs où il y a une équipe qui est fortement favorite. Ok, on va cibler ici des matchs où il y a une équipe qui est fortement favorite. Et cette équipe-là doit avoir une cote égale à 30 ou en dessous de 30. Ok, égale à 30 ou en dessous de 30. Ok, c'est les cotes que vous proposez sur NBA. L'équipe qui est favorite là doit avoir une cote égale à 30 ou en dessous de 30. Ok, voilà. Donc, c'est-à-dire à partir de 30, 1,30, 1,28, 1,29, 1,27, 1,26, 1,25, etc., etc., descendre. Vous devez choisir cette équipe là. Maintenant, si l'équipe favorite a une cote de 1,31, 1,32, vous laissez automatiquement cette équipe là. Est-ce que vous me comprenez? Vous laissez automatiquement cette équipe-là. Vous ne prenez pas. Respectez ce que je vous dis. Ok? Voilà. Donc, voici le match des Celtics qui se joue. Ok? Voici le match des Celtics qui se joue. Et comme vous pouvez le constater, Celtics ici a une cote de 1,05. Donc, elle est favorite et elle a une cote de 1,5. Voilà. C'est ce genre de match-là. Il faut prendre. Ok? Nous allons venir au 29. Je vais vous montrer les exemples de matchs que vous devez prendre. Voilà, ça là vous laissez, ok, ça ne respecte pas nos exigences, ok, ça vous laissez, même si c'est 1,31, vous laissez, je veux 1,300, ok, bon, ils n'ont pas encore affiché ici,
Ils n'ont pas encore affiché tous ces détails-là ici, ceux-là ici. Mais ce n'est pas grave. Voici les exemples que vous devez prendre. Voilà. Voici les exemples que vous devez prendre. OK? Voilà. Voici les exemples que vous devez prendre. Ils sont là. OK? Voilà. 1,5, 1,10, 1,20, 1,21. C'est ça. OK? Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé ce match-là, vous allez venir maintenant sur un Xbet. Voilà. Vous allez venir sur un Xbet. Vous allez chercher maintenant menu. Vous allez cliquer sur Paris Sportif. Et vous allez cliquer ici sur Basketball. OK? Vous allez cliquer ici sur NBA. OK? Voilà. Donc, les amis, avant de vous montrer l'option, si vous devez prendre V1 ou V2, voilà. Je vais vous parler des différents codes promo. Voici les différents codes promo qui sont là. Mais différents codes promo, ce sont des codes promo vraiment très bénéfiques où vous gagnez 200% de bonus sur tout premier rechargement. Tous ces plateformes que vous voyez là. Si vous utilisez ces codes promo sur ces différentes plateformes, vous avez 200% de bonus sur tout premier rechargement et bien d'autres bonus. OK? Voilà. Donc, tous ces plateformes, vous pouvez faire des dépôts par Mobile Money et retirer par Mobile Money. Elles sont faciles et elles ont les mêmes options comme Ainsbet. OK? Voilà. Une fois que vous allez vous recharger, vous aurez d'autres bonus. OK? Mais c'est quand vous allez vous recharger vous-même, vous allez voir différents bonus. Hein. Avec ces différents codes promo là, vous avez la possibilité de vraiment gagner facilement. OK? Donc, n'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté et utiliser ces différents codes promo sur ces différentes plateformes là. OK? Voilà, donc bon bref, on passe à autre chose. Donc comme je l'ai dit, une fois que vous avez trouvé le match en question, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le match en question et vous cherchez ici premier à obtenir N points. OK, le nombre de points. Premier à obtenir le nombre de points. Donc ici, l'équipe qui est favorite, c'est qui? C'est Celtic de Boston. OK, c'est Celtic de Boston. Voilà. Celtic de Boston. Donc ici, l'option veut dire quoi? Boston sera la première équipe à obtenir 75 points. C'est ce que signifie ici. Boston sera Celtic de Boston sera la première équipe à obtenir 75 points. Donc ici, vous prenez V2. OK, vous prenez V2. Voilà, comme vous pouvez le constater, tellement Boston est vraiment très favorite. Les points ne sont pas la cote est ici à diminuer. Sinon, en moyenne, la cote c'est 1,15, 1,20, 1,29. Ok, 1,15, 1,20, 1,29. Ok, mais comme Celtic Boston ici est vraiment très en forme, voilà raison pourquoi. Voilà, ils ont mis 1,08. Sinon, c'est à partir de 1,15, 1,20. Voilà, les matchs vont se jouer demain. Quand vous-même vous allez voir, les différentes cotes. Ok. Voilà, d'accord. Donc, je vais venir ici. Bon, ouais, je vais venir ici. Bon, dommage, ça c'est demain. Ils n'ont pas encore affiché les différentes options. Voilà. Ils n'ont pas encore affiché les différentes options. Ça, c'est vous-même. Voilà, demain, vous allez venir et faire vos différents choix. OK, vous allez faire vos différents choix et miser. Il faut respecter les critères que j'ai dit. Je vous ai dit de prendre un match où il y a une équipe qui est fortement favorite. Et l'équipe qui est fortement favorite doit avoir une cote de 1,30 égale à ou en dessous de 1,30, mais pas plus que 1,30. OK, voilà, je vais vous donner des exemples simples. Si vous respectez les critères là, je vais vous donner des exemples simples des matchs passés. OK, nous allons venir ici le 27. OK, voilà, le 27, et on va essayer de faufiler pour voir les équipes qui respectaient ce que je viens de dire là. OK, voilà, on va vous donner quelques exemples. OK. OK, voici les équipes qui respectaient ces exemples-là. Voici, on appelle ça mon Cavalier. Cavalier avait une cote de 1,18. Même si elle n'a pas gagné le match, nous, on n'a pas perdu. Voici Cavalier qui a une cote de 1,18. Voilà, elle respectait déjà les
elle respecte nos exigences, ok? Donc on va venir sur Q3, on va voir l'équipe qui a atteint les 75 buts avant l'autre, voilà. Comme vous pouvez le constater, l'autre était, Hornet était à 74 et l'autre était à 72. Vous voyez ici, nous sommes à 75 buts, 74. On est resté à 74. Donc vous voyez ici que le coupon est rentré. Même sur le match, Cavani n'a pas gagné, mais ils ont validé. Ok? Voilà. Ça ne respecte pas nos critères. C'est juste des exemples pour vous montrer que ça marche vraiment très bien. Si vous respectez ce que j'ai dit. Ok, donc n'oubliez pas surtout de vous abonner, de rejoindre le canal Telegram. Voilà, parce que là-bas, il y a de bonnes choses vraiment. Ok, voilà, donc rejoignez le canal Telegram et n'oubliez surtout pas. Ok, voilà, donc comme vous pouvez le constater, ici, ça respecte. Ok, Aux respecte nos critères. A, c'est l'équipe favorite et elle a un code de 1,15. Donc nous allons venir ici sur Q3. Ok. Nous sommes sur coup 3, nous allons faufiler. Nous allons voir la 75e minute qui a été le premier à atteindre le nombre de points. 75e minute. Comme vous pouvez constater, c'est l'équipe à ma gauche. Je ne connais pas l'équipe en tête. Voilà, mais vous voyez, elles ont atteint les 75 points. Cette équipe-là était à 62 points. Donc vous voyez que c'est encore validé. Ok, la première équipe a encore validé. Bah, c'est la première équipe qui a une cote de 1,15. Ok, voilà, c'est Aux qui a une cote de 1,15. Et try, voilà, donc a atteint les 75 points. Ok, voilà, donc on va essayer de voir les deux derniers si ça respecte nos critères. Non, ça ne respecte pas nos critères. Voilà, Knicks, on va voir si Knicks a atteint les 75 points avant l'autre. Ok, voilà. Mix a atteint les 75 points. Mix a atteint les 75 points. Au quatrième carton, ils étaient déjà à 92. En deux, ont atteint les 75 points depuis le deuxième carton. Donc, vous voyez que voici les trois déjà matchs qui respectaient. Les trois déjà matchs qui respectaient nos critères. Vous voyez que elles ont validé. Voilà, donc ce sont des preuves par rapport qui vous dit que si vous respectez ce que je vous dis, en prenant un match où l'équipe est favorite à une cote de égale à 1,30 ou en dessous de 1,30, c'est forcé que vous rentrez facilement. Ok, donc vraiment rejoignez-moi, n'ayez pas peur, rejoignez-moi, abonnez-vous à ma deux chaînes Betting Pro, ok, et Israel, et rejoignez mon canal Telegram, le lien est juste en description parce que bientôt les choses vont commencer à s'accélérer. Ok, donc prenez soin de vous, laissez un commentaire si vraiment vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé aussi, ça vous a aidé. Laissez un commentaire, likez, tout ça vraiment aide la chaîne. Et on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est votre serviteur, Wolf Sell Business. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle, merci.